Les objectifs, c'est de rentrer non seulement sur Bessèges, mais dès le programme de début de saison, on court à domicile. Donc on essaye d'amener une équipe performante de façon à faire des beaux résultats. On est quand même une équipe du Sud, donc c'est quand même mieux de partir sur des belles performances dès le début de saison, quoi. Aujourd'hui, la configuration du parcours est quand même encore propice aux sprinteurs. Donc, comme beaucoup de courses, il y aura certainement une échappée. Après, tout dépend de la quantité de coureurs échappés. Donc, si c'est 2-3, on va dire, c'est important, faut y faire attention. Après, si c'est une dizaine de coureurs, il faut de suite quand même réagir. Donc, après, on va dire, il y a quand même 9 chances sur 10 que ça arrive de nouveau au sprint. Était le super combatif de Grand Prix de la Marseillaise, meilleur grimpeur du Tour méditerranéen, nous rejoint. Il avait gagné les Flandres françaises et il a gagné au Tour de Bretagne. Dans cette équipe, nous retrouvons également la présence de Julien Thomarty. Je vais essayer de gagner une étape encore à Bessèges, ce serait bien. On verra, hier c'était vraiment dangereux, donc j'étais bien content de ma troisième place. Et on a une équipe super, donc on va essayer de faire une bonne étoile de Bessèges. Dans la caravane, bonne étape à tous. Pour un parcours de 157 km 300. Ça sera plus beau. Ça va? 63. 2 pour l'instant et il y a Engoulevent qui est à 45 secondes derrière. Et je vais monter après Uzès lui dire d'attendre. Il y a Thomas et. Ça suffit, c'est Thomas. Ouais. C'était pas prévu au début d'être dans l'échappée du jour, quoi. Surtout à 3 coureurs. S'il y avait un gros groupe, il fallait y être. Mais bon, là, je me suis retrouvé devant. Une fois qu'on est devant, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut y aller, quoi. J'y ai cru à un moment donné, mais bon, c'était quand même difficile. En début de saison, il manque encore le rythme et tout ça. Et puis derrière, quand ça met à rouler, c'est difficile de résister, quoi.